Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jesper en direct de Ark Survival Ascended. Pour aujourd'hui, l'installation dans notre nouvel espace où nous allons construire notre base et oulalou, il y a de la fumée tout autour, qu'est-ce qui se passe? On est en train de se prendre la sauce. Aujourd'hui nous allons aller chercher des nouveaux dinosaures et peut-être en ramener d'anciens également et nous installer une bonne fois pour toutes dans cet espace que vous avez vu dans l'épisode précédent qui est magnifique et qui nous permettra d'avoir un accès un peu plus simple à toute l'île et surtout de nous crafter une magnifique base. Donc nous allons chercher peut-être une petite couille, un doédicurus, ça serait très bien pour aller récolter de la pierre et même peut-être d'autres créatures pour aller récolter du bois et tout. Aujourd'hui on va voir si on peut tame pas mal de petites choses. Mais avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est extrêmement important, on est en route vers les 50k. Je remercie énormément toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Toi, si tu t'abonnes maintenant, grand merci à toi. Je vous invite également à liker et à commenter pour le référencement si vous voulez aider. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre la chaîne. L'option est très simple, vous allez sur la chaîne, vous allez cliquer sur le bouton rejoindre et vous pouvez prendre un VIP, c'est payant par contre. Donc si vous n'avez pas les moyens, tant pis, merci beaucoup, si vous le faites, ça aide énormément. Bref, si vous avez fait quelques choses là, merci beaucoup à vous, on peut commencer, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fout lui là, hein, je sais pas ce qu'il fout. Limite, c'est même pas si on pourrait le tame, tu sais, il est niveau 5, en vrai ça nous fera un peu en plus, mais bon, niveau 5 c'est un peu de la merde. Juste avant de commencer, c'était la baston, et malheureusement j'en ai tué un qui était niveau 150, ouais. Parce que je me suis fait agresser et tout, enfin bref, le gros bordel. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, premièrement, je vais me crafter une petite maison. J'avais dit la dernière fois que je la crafterais peut-être au centre de ça. Ça serait assez drôle, mais visiblement, je ne peux pas la crafter au centre de ça parce que c'est pas une zone craftable, on va dire. Sinon, ce que je pourrais faire, les amis, ça va peut-être vous paraître bête, mais c'est crafter tout autour. Ça serait stylé. Voilà. Imaginez, si je crafte tout autour de ça... et genre au centre, je fais un petit accès. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre voilà, je vais mettre ça comme ça. Oh, c'est bizarre, je peux pas crafter ici comme il y a les piliers. What? C'est-à-dire, je peux crafter à certains endroits, mais pas à d'autres. Eh, chant, la base, ça va être bizarre. Mais je vais crafter, je pense, un truc tout autour. Déjà, on a fait quelques planches. Ça serait bien que je me fasse un lit, tout ça. Mais avant de commencer, on va enquêter un petit peu dans la zone. Je voudrais voir s'il y a des créatures intéressantes ou pas à récupérer. Et aussi, s'il y a des dangers. Quelconque. Wouah, c'est lumineux, sa mère. Ok, on a une autre petite plaine. Visiblement, il y a du raptor qui court. Il y a d'autres petits trucs. J'ai l'impression, franchement, que le coin, il est plutôt ok. Bon, c'est un raptor alpha, ça, c'est un peu casse-couille. Mais ça devrait aller. Tiens, on a une balise blanche. Est-ce qu'il y a moyen? Ouais, non, il n'y a pas moyen, je récupère ça. Raptor alpha, raptor tout court. Regardez, il a déjà la haine sur moi. Non, mais c'est pas possible, cette histoire. Ouh, pardon, mais le bruit qu'il fait, c'est flippant. Tiens, si je peux récupérer ça, ça va me faire prendre des levels en plus sur mon argent d'avis. C'est très bien. Limite, je pourrais essayer de ramener un ou deux trucs, hein. Je pourrais essayer de ramener un ou deux trucs. Regardez, je suis super content d'ailleurs, j'ai des corecos pour pouvoir faire ceci. Je peux enfin grab les dinosaures, j'ai réussi à passer en PvE. Donc du coup, on va checker. On va voir s'il y a des créatures qu'on peut ramasser. Ouh, joli carnot ici, je sais pas c'est quoi le level. Voyons voir. Parce que ramasser des bébés comme ça pour le futur, ça sera utile. C'est quoi ça? Malcassette, c'est bugué leur nom. Carnot, niveau 20. C'est assez à chier, mais c'est pas grave. On va regarder, hein, dans le coin, il y a peut-être des trucs qu'il faut ramasser. Moi, surtout, ce que je voudrais en vrai... c'est un doédicurus et un castor. Pour aujourd'hui, ça serait deux choses absolument incroyables si on arrive à les récupérer. On va se diriger vers la montagne. Il y a de fortes chances qu'on arrive à trouver des castors. Enfin, pas des castors, pardon, des doédicurus. Ou des petites couilles. Par contre, faut faire très attention parce qu'on peut tomber sur des rex bien vénères. Des raptors, des allosaures. Voire même, si on n'a pas de chance, gigano ou carca. Enfin, même, ça serait peut-être de la chance de tomber sur un gigano ou un carca. Parce qu'on pourrait le tame plus tard. Oh, regardez, il y a des ruines. Il y a des giga-ruines qui n'étaient pas là avant. Oh, c'est joli. Théma, il y a tout un passage et tout. Magnifique. Bon, il n'y aurait pas de quoi vivre ici, je pense. Mais c'est sympa de rajouter des petites structures comme ça pour l'exploration. Valise! Je suis venu dans un endroit assez louche. Juste pour cette balise. Ok. On va être obligé de faire ça vite, hein, dans tous les cas. Oh, nice. Oh, nice. What? Mais c'est quoi cette balise encore? Regardez tout ce qu'on a obtenu. Des murs, des... c'est quoi ça? Du sang de sangsu. Ouais, très bien. On a obtenu une selle de mégalodon épique, une selle légendaire de Belzébuffo, même des cartouches de pompe et de la poudre à canon. Pourquoi pas? Je monte
en haut de cette montagne. On va aller checker tout ce qu'il y a. J'aimerais vraiment trouver un Doedicurus, mais ici j'ai peur de tomber sur des saloperies. Bon, on sait jamais, hein. Peut-être que tout en haut, au sommet, il y aura un Doedicurus. Oh, un Carno. D'accord, mais c'est pas tout à fait ce que je recherche. Je voudrais ramener un Doedicurus à la maison, s'il vous plaît. Je vois des hyènes. Je vois des ruines, un tigre à long de sabre. C'est tellement haut qu'il y a carrément les nuages qui touchent le sommet. Ok, on a scorpion, tout ça. Oh, un Quetzal, les amis. C'est la première fois, je crois, que j'en vois un sur Asa. Littéralement, regardez ce bébé. Ah, il est magnifique. Bon, pour le tame, on va pas faire ça aujourd'hui. LOL. Mais ça fait plaisir de voir des Quetzal. Par contre, c'est un petit level. Alors, attends, il me faut vraiment un Doedicurus, moi. C'est pas possible. Dans le coin, c'est normalement, c'est habituel d'en trouver, mais là, pour l'instant, je n'en ai trouvé aucun. Et encore des ruines, les amis. Il y a pas mal de ruines sur la map. Encore des ruines. Regardez, il y a un petit passage et tout. Ici, il y avait un château avant ou quoi? C'est comment? Les amis, est-ce que vous pensez que je peux kidnapper un bébé? Oh! J'ai kidnappé un bébé Carno. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen que je l'écarte assez de la mer pour pouvoir le tame? Oh, ce kidnapping de bébé! Attendez, je le ramène à la baraque. Ce kidnapping de bébé! Je pensais pas que c'était faisable. What? Mais c'est un bébé Carno, normalement tu peux pas soulever. Attends, mais un ange d'avis, ça soulève pas des bébés Carno. Enfin, ça soulève pas des Carno normalement. Attends, je le lâche ici, on va voir. Il prend la fuite. Est-ce que ça se tame? Attends, reviens! Reviens, t'as plus de daronne! Je t'ai kidnappé! Non! Les amis, je propale de faire un truc de zinzin. Venez, on va voir si on peut buter la daronne. Et on retourne chercher le Carno. Ça serait une opération, mais alors je te raconte même pas. Par contre, je sais pas où est parti le bébé. Il est là. Ok, on va essayer de faire vite, c'est quoi? Il est là. Il retourne naturellement vers la daronne, je crois. On va le déposer entre les cailloux. Je vais essayer de le keblo là dans les cailloux. Reste ici, mon petit. Voilà, est-ce qu'il est con ou pas? Ah, il court. C'est quoi, vite, go. On va voir si on peut aller buter la daronne. Ça serait une opération de ouf. On aurait un premier prédateur vraiment costaud à la base. Oh là 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 là. Eh, je suis un vislard, mais level 25. Je kidnappe les bébés, les gars. C'est incroyable. Ok, il est déjà en PLS ou quoi? Ah merde, il s'est nourri. Ok, j'ai pas dit mon dernier mot. C'est pas mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, tout le monde dessus, les gars. On le termine. C'est bien. Tout le monde en train de le tabasser à mort, là. Faut pas qu'il régène. J'ai pas réussi à le fumer encore. Allez. Allez. Let's go, je l'ai fumé. Ok, vite. On retourne à la maison. Est-ce que le kidnapping sera vraiment effectif? Peut-être. Vous imaginez, je suis parti chercher un Doedicurus, je reviens avec un bébé Carno. Non mais ça serait incroyable, on se dépêche. Non, je me suis bloqué dans les arbres, vite. Il est où le bébé? Il est où le bébos? Faut être attentif. Il doit être dans la zone. Ah mais il y a un dilo qui en a après moi, ta gueule le dilo. Je cherche le bébé Carno. Chut, attendez, c'est lui? Je crois que je l'ai retrouvé. Oh putain. Il est où? Là. Let's go. Aïe. Oh non. Oh non, je me suis fait chier dessus. Je l'ai tué, ok c'est bon. Ah, imaginez si j'avais perdu mon bébé Carno, j'aurais pété un câble. Les amis, on a team un bébé Carno. Je vous ai dit, c'est n'importe quoi le jeu maintenant. C'est n'importe quoi. Attends. Il faut que je lui donne à manger tout de suite. Oh, je suis bloqué. Frérot. Non, mais le jeu, il me fait quoi, là? Mais le jeu, il se fout de ma gueule, là. Mais il est bloqué dans mon cul! Ok, c'est bon, j'ai réussi à grimper sur mon avion. Voilà. Attends. On va le ramener au centre. Les amis, on est en train de faire un truc de fou. On a kidnappé un bébé Carno. Je suis mort. Et on va le faire grandir, c'est bon. Finalement, on change de plan, les amis. Dans Ark, faut savoir s'adapter. Alors... Maturation 21%. Tiens, mange. Nourriture 1700, c'est nickel. C'est bon, en fait, il devrait s'en sortir. Non, mais c'est n'importe quoi, les amis. J'ai... Bah ouais, mais en même temps, qui l'aurait pas tame?
Qui n'aurait pas récupéré ce bébé Carnot? Regardez comme il est cute! Eh, c'est bon, j'ai le titre de la vidéo où j'ai kidnappé un bébé Carnot. Par contre, il y a un bug avec son œil parce que regardez, on voit à travers, c'est un peu bizarre. Mais il est super cute, il va grandir, il grandit très vite, il est déjà à 25%. Voilà, c'est quoi ses stats d'ailleurs? J'ai pas regardé. 1500, ouais, ok. Par contre, niveau imprint, dans 2 minutes, je suis pas sûr que ça sera assez rapide. Donc, je pense que je vais me déco et je vais améliorer la vitesse d'imprint. Je me suis déco et j'ai changé un truc, je sais pas si ça sera plus rapide. Je crois qu'on est toujours resté à 2 minutes. Bon, en attendant, je vais rester ici parce qu'on ne peut surtout pas le perdre. Et je vais faire un feu de camp parce que je commence à crever la dalle. Oh là là, mais en tout cas, les amis, on est en train de faire une opération braquage. Avec lui, on va avoir de la sécurité, on pourra même se déplacer et tout. Bois, pierre, branchage, silex. Le seul problème, en fait, dans cette zone, les amis, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trucs. Il y a pas mal de bois. Mais niveau pierre et silex, va falloir qu'on se déplace. Ça, c'est un petit peu chiant. Oh là là, mais en tout cas, on est en train de faire un braquage, mon gars. C'est génial. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais je me suis dit, vas-y, hein. Pourquoi pas, le petit timing, tranquille. Vous imaginez, attendez, je viens de penser à un truc de zinzin. Mais imaginez, on tombe sur un bébé Spino. Moi, je vais faire que ça. Hein. Eh, je vais faire que ça. Je vais faire que du kidnapping. Ok, au centre, je vais installer ce petit feu de camp. Ça va faire un côté esthétique et on va pouvoir faire... J'allais dire cramer de la bouffe, mais là, pour l'instant, de la bouffe, on n'en a pas. Est-ce que t'en as, toi, un petit peu? Oh là là, c'est une catastrophe, là. Il va falloir qu'on aille chercher à bouffer. Hein. C'est une catastrophe. J'ai plein de munitions, de toute façon, ça devrait pas trop être un problème. Voilà. C'est nickel, ça chauffe. On croirait que c'est un totem, tu sais, on va faire un sacrifice. 42 secondes, on va pouvoir s'occuper de lui dans quelques instants. Oh, regardez comme il est beau. Les amis, le pire kidnapping de l'histoire. C'est le pire kidnapping de l'histoire. C'est un kidnapping de bébé Carnot. Incroyable, franchement, je suis refait. On va pouvoir avoir un beau défenseur de la base. Et moi, je vais regarder, je vais, franchement, les amis... Et attendez, il y a une balise déjà, je vais aller chercher la balise. J'ai soif en plus. Je vous jure, je vais regarder plus souvent s'ils ont des bébés. Hein, parce que s'ils ont des bébés, il y aura juste à quick les parents. Et tu récupères les bébés. Donc vraiment, c'est nickel. Ah, c'est dommage, il y avait une balise ici, mais elle a des pop, je crois. Ouais. Il va falloir qu'on soit plus attentiste. Hein. Notamment pour les bébés et surtout aussi pour les... Pour les balises. Parce que c'est très important. Même des bébés, les amis. Bébé Thérésy, bébé Parazor, tout ce que tu veux. Il y a bébé Rex aussi. Vous imaginez s'il y a des bébés gigano? Bébé titano? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Mais sinon, ça serait incroyable. Bon, faudrait quand même buter la daronne. Il serait pas une mince affaire. Qu'est-ce qui se passe devant? Oh, c'est un Rex! D'accord, très bien. J'ai failli récupérer de la boisson ici, mais je pense que c'était pas trop le bon endroit. Par contre, ce que je me demande, c'est s'il y a des bébés d'oiseaux. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu des bébés de pternodon ou des bébés de trucs comme ça. Peut-être qu'ils sont totalement planqués. Maintenant, je vous jure, je vais regarder partout. Hein. Dès que je vois qu'il y a une daronne avec un bébé. Regardez, là par exemple, il y a un bébé. Hein. Bon, le Fioma, on s'en tape un peu la race. Même des bébés moutons, les amis, c'est trop bien. Parce que le mouton, c'est super chiant, un tame. Mais avec du bébé mouton, ça sera tranquille. Ça va, mon petit Carnot? Viande cuite supérieure. Oh, non. Viande cuite supérieure, les amis. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente. Les amis, je vais faire un truc abject. Je crois que si je bute des bébés, je peux récupérer de la viande cuite. Du coup, je suis désolé. Enfin, de la viande supérieure, pardon. Je suis désolé, mais... Ou sinon, on pourrait tuer un diplôme. C'est quoi qui se passe en bas? Qu'est-ce qui se passe ici? Chalicotherium. C'est moi ou il y a aussi des bébés ici? Un bébé chalico? Moi, je dis pas non. Hein. Attends, je regarde pendant qu'il tabasse les trucs. Ah non, c'était un bébé peut-être d'Ilo. Aïe, il m'en a mis une dans la gueule. Ils sont passés où, les Fioma, là? J'étais prêt à les faire cuire pour donner... Ah, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Il est où, bébé? Je suis désolé, mon ref. Mais... Tout le monde va y passer là. Ok. Oh wow. Ah, évidemment, il va m'attaquer. Hein. Je m'en fous. Je suis désolé. J'ai pas le choix. Comprends-moi, je vais vous manger tous les deux. Comme ça, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de tristesse pour le papa. Donne ton petit. Oh là, je l'ai. Ok, je le bouffe maintenant. C'est horrible. Eh, hey, mais il a combien de PV ce truc? Il a combien de PV ce truc? Je suis choqué. Voilà, je tabasse tout le monde en même temps. C'est bon, j'ai récupéré de la viande sup. Viens là toi aussi. Pas le choix. Je peux pas laisser ça. J'espère que le Carnot aura toujours faim. Allez. Comme ça en plus ça va me donner de la bouffe parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de nourriture. Viens là gros tas. J'y suis presque.
Il voulait pas décéder, c'est incroyable. Ok, bon, j'irai le récupérer un petit peu après. Ok, nice. Déjà, donne-moi ça. On va continuer à nourrir le Carnot parce qu'il en a franchement certainement besoin là. Et on va faire de la viande cuite tout de suite, supérieure. Ok, donne-moi ça. Vite, 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 vite. On se dépêche. Nice. Comme ça, on va avoir un pourcentage en plus sur le Carnot. Voilà, on va avoir notre viande cuite. Ok, pendant que ça cuit, moi je vais aller chercher le cadavre de ce Fioma. Ça va nous faire beaucoup de nourriture en plus pour toute la tribu, ça va être bien. Ok, super. Et je vais aller chercher la fin du cadavre du bébé. C'est horrible, je sais, mais c'est ce qu'il faut. Hein. On est dans l'arc, hein. Il faut être des prédateurs. Hein. Ok, j'ai la viande cuite. Voyons voir. Alors, combien de pourcentage ça lui donne? Je pense que ça lui donnera pas du tout tout. Aïe. 25%. Guillaume. En fait, c'est... Il va falloir que je change mes paramètres. Bon, il a gagné quand même 25% de bonus d'élevage. Ça va lui donner des PV en plus, je crois, sur la somme totale. Donc, on va dire que c'est ça de prix. Ok, j'ai récupéré encore plein de viande cuite. Sup. Ce pauvre petit Fioma qui est passé pour nourrir la tribu. C'est pas grave, tout le monde va manger grâce à lui. C'est... Voilà, c'est le retour sur ce qu'il faut. Hein. Toutes les viandes sup qu'il m'a donné, c'est un truc de fou, hein. Je vais en donner un petit peu à chacun de mes dilos. Et mon Carnot va devenir adulte dans quelques petits pourcentages. Et on aura une nouvelle monture magnifique. Regardez son museau en sang en plus. Il est très impressionnant. Je pensais pas qu'on aurait un Carnot aujourd'hui, mais écoute, hein, on a profité, on est opportuniste. C'est super, comme ça, ça va nous permettre eh bien, de se déplacer dans la zone, d'aller fumer d'autres trucs, d'aller chasser un petit peu. Parce qu'en plus, il a un beau level, donc ça devrait pas trop mal se passer, je pense. Il peut fumer même des terris ou des petits trucs. Peut-être même qu'il serait capable de fumer des rex de petit level. Et avec lui, les amis, on va pouvoir récupérer d'autres bébés. Hein, parce que c'est bon, moi, je vais devenir kidnappeur officiel. Oula, j'ai beaucoup de points d'ailleurs. On va mettre sur quoi? Parce que là, je sais plus trop, j'ai mis tellement de points sur un peu tout. On va mettre sur la vie et un petit peu, voilà, sur la résistance. C'est super, comme ça, je résiste beaucoup. Là, je suis prêt à me fight. Les amis, c'est bon, il est adulte, nous allons pouvoir le monter. Il faut que je regarde, c'est quoi sa selle? Pour le monter tout de suite. Alors, Carnot, je ne l'ai pas encore appris, bien naturellement. Carnot, Carnot, Carnot. Celle de Carnotor. Ah! Ah oui, ouf, af, if, ouf! Ah oui, ça coûte cher, les amis. On la fera la prochaine fois. Cette fois-ci, on va s'arrêter très tôt. Ça sera un petit épisode parce que je vous en sortirai un autre demain. Et là, je suis un peu pressé. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes un abonné de qualité. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. La prochaine fois, on fera la selle du Carnot à coup sûr. Et on le testera. Et on essaiera de ramener aussi d'autres dinosaures, comme je vous avais promis, histoire de construire une base ici. Mais là, on commence à se mettre bien. Hein. Dans la zone, je pense qu'on a les créatures les plus puissantes. Ou presque, hein, parce qu'avec un Carnot aussi balèze, ça va être dur de venir me chercher si c'est juste des petits raptors ou des petits trucs là qui spawnent. Ça sera tranquille. C'était Jesper en direct de Ark Survival Ascended. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. N'hésitez pas à commenter, à liker pour le référencement. Bisous tout le monde. Bonne fin de journée. Ouais, on va dire ça. Bye bye tout le monde.